Bienvenue sur ma chaîne. Je suis Audrey, je suis coach en développement personnel et je traite surtout le domaine des émotions. Vous allez encore écouter des émotions et les émotions et les émotions, encore et des émotions. J'espère que ça ne vous dérange pas que je parle des émotions. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, c'est sur toutes mes plateformes, sentez-vous chez vous. Prenez le temps de regarder chacune de mes vidéos pour savoir quel est l'objectif qu'on poursuit sur cette chaîne. Voilà, nous sommes sur le concept de la conversion. Quand on parle de conversion, on parle d'améliorer certains aspects de notre vie, que ce soit la santé, que ce soit la vie sentimentale, que ce soit les entreprises, le professionnel, que ce soit la vie de ménage, la vie familiale, la vie spirituelle. Donc, vous allez trouver tous ces sujets-là sur cette plateforme. Donc, en même temps, fait un peu de leadership. Voilà. Et donc, salut à vous. Bonsoir, bonjour, à n'importe quelle heure là vous vous trouvez dans le monde. Je vous envoie plein de love, plein d'amour. Je vous adore, je vous aime. Vous êtes ma famille. Si j'existe, c'est grâce à vous que je suis là. Parce que si personne ne me suivait, cette chaîne n'existera pas et elle n'aura aucun sens. Voilà. Donc, on veut parler aujourd'hui de l'épuisement émotionnel, qu'on peut aussi appeler la fatigue émotionnelle. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Au début de l'année 2020, là, je ressens une fatigue que je n'explique pas, en fait. J'ai comme l'impression que tous les combats, les batailles psychologiques, morales, que j'ai entraînées, que j'ai traînées durant toute l'année 2020, là, ça fait comme une décharge sur moi, je vous assure. Si vous me regardez depuis, vous pouvez même regarder l'état de mon visage. Je vous assure que je fais juste des efforts. Sinon, ne faites pas attention à mon visage, à tout le reste là. Écoutez seulement le message. Parce que la fatigue, non, 2021, nous sommes juste en janvier. Mais je vous assure que c'est comme si je transportais un panier. Vous voyez, quand chez nous en Afrique, quand tu vas au champ là, et puis on te met des tubercules dans le panier ou bien les bois. Mais tu as comme l'impression que tu ne vas pas arriver au bout, quoi. Je vous assure, c'est comme ça que je me sens. Alors, l'épuisement émotionnel, voilà, s'accompagne de plusieurs symptômes, de plusieurs signes. Et on va essayer d'en parler. Si vous ressentez l'épuisement émotionnel, je vais vous donner quelques stratégies. Comment faire pour vous sentir mieux, voilà, et comment faire pour vous remettre tout doucement, parce que, voilà, on ne se remet pas du coup comme ça, et puis on se sent tout de suite bien, voilà. La fatigue émotionnelle, comment on appelle ça, l'épuisement émotionnel, en fait, c'est comme le surménage, ça vient, c'est une accumulation de trop d'énergie, de travail, trop de toucher à gauche, à droite, trop de situations, d'événements, de circonstances, voilà, qui se sont en fait, il y a comme une synergie qui s'est accomplie, voilà, et ça se répercute parfois sur le plan émotionnel, sur le plan psychologique, sur le plan mental, mais parfois même sur le plan physique, vous ressentez des fatigues qui sont un peu inexpliquées. Alors, ça peut être des signes de l'épuisement émotionnel. Alors, ce qu'on doit savoir, c'est que l'harmonie de notre vie, voilà, ou l'équilibre de notre vie peut être perturbé, voilà, sur le plan émotionnel, voilà. Et parfois, ce qui explique l'épuisement émotionnel, ça vient avec la fatigue mentale, la fatigue physique, voilà. Ça dépend en fait de ce que vous ressentez, mais quand on parle de fatigue de fatigue émotionnelle, fatigue, épuisement émotionnel, ça englobe en fait tout ton être. On parle du physique, on parle des émotions, on parle du mental, on parle du moral. Tu ressens en fait comme une fatigue générale. Vous voyez un peu? Et quand tu souffres d'épuisement émotionnel, voici des réactions qui peuvent expliquer, sinon les signes qui prouvent que tu traverses une période de fatigue émotionnelle, sinon d'épuisement émotionnel. Tu te sens désaltéré. Voilà, tout le temps, tu as envie de boire quelque chose, tu as toujours soif. Tu as toujours comme l'impression que ta gorge est sèche. Voilà, ce sont les premiers signes de l'épuisement
émotionnel. Ensuite, tu deviens toujours réactif, tu es très réactif, c'est-à-dire que à tout bout de champ, tu réagis. Voilà, même pour quelque chose que tu peux essayer de mieux expliquer, tu expliques ça un peu avec la colère, comme si tu es énervé, comme si tu es toujours sous, comment on appelle ça? Sous la défensive, en fait. Tu vois, tu t'énerves à tout bout de champ. La fatigue, voilà, émotionnelle aussi se traduit par le fait de beaucoup parler. Quand quelqu'un est beaucoup fatigué, il y a des gens, quand ils sont fatigués vraiment, voilà, ils réagissent très vite et ils parlent beaucoup, ils se plaignent beaucoup. Et parfois, ça peut aussi se traduire par la tristesse. Voilà, tu te sens beaucoup triste. Par n'importe quelle situation, tu te sens triste, tu te sens frustré par une petite situation parfois que tu peux essayer de faire passer et tu n'arrives pas toujours à la gérer. Voilà, tu deviens agressive, tu deviens toujours irritable. Voilà, tout ce qu'on te dit, ça génère toujours autour des conflits. Voilà, quelque chose que tu peux résoudre tout de suite là, ça se tourne toujours en conflit. Voilà, donc quelqu'un qui traverse une fatigue émotionnelle, voilà, un épuisement émotionnel, n'a pas le plaisir. En fait, tu as comme l'impression que tu as le goût de rien, quoi. Tu vois? Tu as envie de rien faire. Tu n'as même pas envie de fournir d'efforts. Voilà, même quand il faut aller au travail, tu pars juste parce que c'est un contrat que tu as signé. Voilà, c'est un engagement que tu as pris. Voilà, c'est pas ton entreprise. Il faut que tu répondes quand même. Présent, mais tu te sens pas en fait confortable, tu as envie de rien faire, tu as envie juste de te reposer, de regarder ta télé, de manger, voilà, tout pour toi, en fait, ton corps est lourd, vous voyez? Ce que vous devez savoir, c'est que la fatigue ou l'épuisement émotionnel ne provient pas seulement du fait de trop travailler, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui se disent que parce que je travaille trop, c'est pour ça que je suis épuisée émotionnellement, non. La fatigue émotionnelle ou l'épuisement émotionnel peut aussi surgir dans la vie de quelqu'un lorsque tu as transporté trop d'émotions négatives mais que tu n'as pas pu traiter. C'est-à-dire que tu n'étais pas libéré, tu n'étais pas, comment on appelle ça? Tu n'as pas fait le vide. Tu te sens en fait submergé. L'épuisement émotionnel se traduit par une forme en fait, tu es submergé par plusieurs émotions, par plusieurs situations qui se sont succédées dans ta vie, mais que tu n'as pas pu résoudre. Et comment ça se traduit? Ça se traduit par l'épuisement émotionnel. Exemple, une personne qui n'a pas d'emploi, qui reste assise à la maison en longueur de journée, voilà, avec les enfants, et pourtant il va pas au travail. Vous voyez? Les mamans qui n'ont pas d'enfants, elles restent à la maison. Mais comment expliquer qu'une maman qui ne va pas au travail, qui ne va pas au bureau, elle reste à la maison en train de faire les tâches de ménage, en train de s'occuper des enfants? Qu'est-ce qui explique que cette personne peut traduire les signes d'épuisement émotionnel? C'est parce que rester à la maison, gérer les esprits des enfants, les comportements des enfants, gérer certaines situations de la vie, gérer une maison, un ménage, c'est plus qu'aller s'asseoir au bureau une journée. Parce que ce que tu fournis en termes d'énergie, voilà, est plus important que ce que tu aurais fourni si tu serais allé au bureau. Voilà. Donc, c'est un cas parmi tant d'autres. Voilà. Maintenant, comment reconnaître que vous êtes épuisé émotionnellement? Donc, premièrement, ce que vous deviez faire, je parlais de vous êtes réactif. Voilà, vous êtes réactif. Et ensuite, vous êtes facilement irritable, vous vous énervez. En fait, toutes vos réactions, on présente comme un signe de colère, un signe de désagréable. En fait, tu es toujours désagréable dans ta façon de répondre, tu vois. Donc, les gens n'arrivent pas en fait à être à l'aise avec toi parce que tu es toujours agressive dans tes propos. Ça se traduit aussi, voilà. Ça veut dire que vous traversez, sinon vous êtes en train de vivre une fatigue, sinon un épuisement émotionnel, voilà. Pour essayer de réduire l'épuisement émotionnel, il faut obligatoirement vous reposer. Si vous avez par exemple l'habitude, vous partez au travail le matin, vous vous réveillez très tôt, vous rentrez l'après-midi, quand vous rentrez, vous faites plein de choses. Désormais, quand vous rentrez, allez-y prendre une bonne douche, voilà, froide. Si vous êtes dans une région chaude, pardon, prenez une bonne douche froide, vous mangez. Et vous allez dormir très tôt, voilà. Si vous avez des gens dans la maison,
Demandez de l'aide pour qu'on puisse vous aider si vous avez des enfants. Allez-y dormir très tôt, reposez-vous au maximum. Voilà. Si dans une région par exemple, pardon, froide, prenez un bain tiède. Si vous êtes dans une région chaude, prenez un bain bien froid. Voilà. Restez concentré, voilà, sur vos rêves, sur vos objectifs, sur vos projets, sur vos entreprises, mais tout en vous reposant. Il n'est pas dit que parce que on traverse d'épuisement émotionnel, il faut tout abandonner, dormir sans plus rien faire. Non, on continue à poursuivre nos rêves, nos objectifs, mais il faut qu'on se repose vraiment. Voilà, prendre le temps de bien manger, voilà, vous reposer, essayer de faire du vide à l'intérieur de vous. Voilà. Et le problème, c'est que plus tu ne traites pas l'épuisement émotionnel, plus tu entraînes, voilà, tu risques de tomber dans soit la dépression ou bien soit dans les AVC. Parce que l'accumulation de trop d'émotions négatives, trop de surcharge, on appelle ça le surménage. Si vous êtes dans un surménage continuel, que vous n'apprenez pas à vous reposer, vous n'apprenez pas à prendre soin de vous, vous n'avez pas du temps pour vous, voilà, vous ne faites pas le vide, vous ne vous déchargez pas de tout ce que vous avez accumulé comme énergie négative durant toute l'année 2020. On rentre dans la nouvelle année, il faut continuer avec ça. Ça va vous amener, voilà, dans une catastrophe. Et après, on ne pourra plus arranger les choses un peu plus tôt, voilà. Donc, parfois, quand vous êtes épuisé émotionnellement, voilà, vos réactions sont impulsives. Si vous connaissez des gens impulsifs autour de vous, parfois, ce n'est pas que les personnes là sont sauvages ou bien elles sont mal polies. C'est parfois les réactions de quelqu'un qui est épuisé, voilà, émotionnellement, voilà. Donc, ce sont des personnes agressives, voilà, qui, leur déclic, en fait, c'est toujours la violence. Vous voyez, leur réaction, c'est toujours la violence, la menace, voilà. Si vous êtes épuisé émotionnellement, vous aurez du mal à trouver la force et la volonté d'aller de l'avant, d'accomplir, d'atteindre vos buts et vos objectifs. Si vous présentez des signes de fatigue émotionnelle, vous êtes hypersensible, c'est-à-dire que les gens auront comme l'impression que vous exagérez en fait dans tout. Vous voyez un peu? Ce sont les signes, voilà, de la fatigue émotionnelle. Voilà, vous sentez profondément, c'est comme si en fait comment on appelle, vous êtes dans une défaite. Moralement, psychologiquement, vous faites comme une chute, vous sentez bas. Et voilà, donc les émotions de la vie quotidienne sont insupportables parfois. Tu n'arrives plus à régler aucun problème, voilà, tu abandonnes tout, tu te sens découragé, voilà, tu deviens plus impatient, tu n'arrives plus à supporter certaines choses, tu deviens colérique, tu as tout le temps peur, si tu ressens tout le temps des peurs, des angoisses inexpliquées, voilà, des fatigues inexpliquées, c'est dû à la fatigue émotionnelle. Et ce que j'ai appris, c'est que tu ne peux pas résoudre certains problèmes émotionnels si tu ne prends pas d'abord conscience que tu as besoin d'aide. Vous comprenez? Il y a des gens, ils transportent des fatigues émotionnelles, des fatigues morales, psychologiques, des fatigues physiques, mais ils ne s'en rendent pas compte. Vous voyez? Ils s'épuisent, ils s'épuisent, ils s'épuisent. Ils pensent en fait qu'à chaque... Le fait pour lui de bien se lever le matin, de se lever en bonne santé, de pouvoir avancer, de pouvoir aller accomplir certaines tâches, voilà, de pouvoir prendre soin de son ménage, de sa maison, pour toi, tant que tu te sens bien à l'intérieur de toi, même si la fatigue est là, tu dis ça va passer. Le problème, c'est que plus la fatigue là s'accumule, plus elle s'accentue, elle peut te surprendre. Et c'est le type de personne, j'ai remarqué qu'il y a des gens, ils ne tombent pas facilement malades. Voilà. C'est rare de les voir vraiment mal en point, mais quand ce genre de personne là tombe, en fait, il est méconnaissable. Ces personnes-là sont méconnaissables, c'est parce qu'ils ont accumulé une surcharge émotionnelle en pensant qu'ils sont trop forts, ils sont capables de tout, ils vont s'en sortir. Non, on a tous besoin de repos, peu importe ce qu'on poursuit comme objectif dans la vie, peu importe ce qu'on recherche dans la vie, peu importe ce dont on a besoin. Tout être humain a besoin de repos. Le seul remède de pouvoir résoudre les fatigues
émotionnel, l'épuisement émotionnel, c'est le repos, c'est bien manger, c'est prendre soin de toi. Voilà, c'est faire un peu ce qui fait du bien à ton cerveau. Parce que la fatigue émotionnelle, sinon l'épuisement émotionnel vient avec, comment on appelle ça? Trop de comment on appelle un cerveau qui est comment on appelle mentalement, tu es submergé, tu es chargé. Il faut apprendre à te décharger. Se décharger, c'est se libérer. Se décharger, c'est un peu prendre du temps, aller faire des choses qui t'épanouissent. J'ai toujours dit aux gens que tout ce qu'on recherche sur la terre va rester un jour. Il est important de faire un peu un stop, de prendre soin de soi, de se poser la question de savoir où j'en suis, voilà, et à quel niveau j'ai déjà avancé et à quel niveau j'ai régressé, où j'ai besoin encore de faire des efforts pour pouvoir atteindre mes objectifs et réaliser mes rêves, atteindre mes buts. Parce qu'il y a des gens, ils se battent, ils savent même pas où ils vont. Ils savent pas où ils sont, ils en sont. Il y a un peu comme des choses qui se malmènent dans notre vie. Et à un moment donné, il faut faire un peu un stop et dire que où j'en suis, voilà. Essayez de réduire, voilà, vos tâches. Parce que si vous avez trop de tâches que vous faites, voilà, il y a quelqu'un qui m'a posé la question de savoir, mais Audrey, avec toutes ces plateformes-là, comment tu fais pour gérer ça? Je lui ai dit, je cherche quelqu'un qui partage ma vision. Quelqu'un qui viendra m'accompagner dans cette vision-là. Voilà, je commence une nouvelle aventure. Voilà, je suis dans un nouveau. Je commence juste à faire ce que je suis en train de faire maintenant. Donc, je cherche une équipe. Voilà, je cherche des gens qui. Comment on appelle ça? Qui prennent le relais de temps à autre, mais le problème c'est que je suis dans un pays anglophone. Voilà, les francophones que je connais ici, tout le monde a sa vision de la vie. C'est pas n'importe qui viendra me casser ta vision, parce que ce que les gens recherchent aujourd'hui, c'est l'argent. Dès qu'il n'y a pas l'argent dans ce que tu fais, dès que quelqu'un ne gagne pas l'argent, il peut pas te suivre, parce que les gens ont plus besoin d'argent que de venir parler et sans parfois rien gagner. Vous comprenez? Si tu dis à quelqu'un que est-ce qu'on peut commencer à travailler ensemble? Plus on va se faire, comment on appelle, de la visibilité, plus on va se faire de l'argent, on va se partager un peu. Les gens, quand ils commencent à travailler avec vous, tout ce qu'ils veulent, c'est l'argent. Parfois, ils viennent, ils font un peu d'hypocrisie, dire que non, on va faire, mais ils se fatiguent très vite parce que les gens, ils ont la réalité, les réalités de la vie sont là. Donc, c'est mon projet, c'est mon business, je sais ce que je fais, je sais où je vais et je sais pourquoi je suis là. C'est vrai que pour l'instant, c'est difficile, mais avec le temps, si dans ce que je fais, il y a la volonté de Dieu, Dieu va susciter des personnes qui vont m'accompagner à partager cette vision. Donc, vous dire que, voilà, apprenons à nous reposer. C'est la nouvelle année. Si vous ressentez trop de fatigue, ça veut dire que vous avez transporté trop de surménage, voilà, et vous n'êtes pas reposé. L'année commence. Apprenons, voilà, à prendre du temps, un tout petit peu du temps pour nous, et ça pourra tous nous aider, voilà. Je vous dis au revoir. N'oubliez pas de subscribe si vous êtes nouveau sur mes plateformes, de partager, voilà, d'amener d'autres personnes à me suivre, pourquoi pas. Certainement, je touche quelque chose qui concerne ta vie, voilà. Et merci, à la prochaine. Bye bye.